Bonjour et bienvenue pour votre rendez-vous quotidien avec Training Central. Aujourd'hui, nous intéresserons au secteur de l'Internet et des médias américains et plus particulièrement à Yahoo. D'un point de vue fondamental, Yahoo a renoncé la semaine dernière à céder ses parts dans Alibaba en raison du refus du fisc américain de lui garantir la non-imposition de l'opération. Le groupe compte ainsi créer une nouvelle entité cotée où sera regroupé l'ensemble de ses actifs, dont ses activités Internet, à l'exception de sa participation dans le géant chinois du commerce électronique. Cependant, certains actionnaires réclament des mesures plus radicales. Ainsi, Spring Hole Asset Management, un fonds américain, a distribué une présentation de 99 pages demandant entre autres la suppression de 9000 postes sur les 10700 que compte l'entreprise. Graphiquement, les cours ont cassé une tendance haussière en place depuis octobre, alors que le RSI a fait de même avec une droite ascendante en place depuis la mi-août. Ainsi, tant que 34,7$ reste résistance, la formation d'une nouvelle jambe de baisse est attendue en direction des 30,30 et 29$. Afin d'optimiser ce scénario, nous avons sélectionné le variant put J273B émis par BNP Paribas de prix d'exercice à 32$ et d'échéance au 18 mars 2016. L'effet de levier sur ce produit est de 5,15. En résumé, nos objectifs sur Yahoo se situent à 30,30 et 29$. Seul le dépassement des 34,7$ viendrait invalider ce scénario baissier. C'est tout pour aujourd'hui, très bonne journée et à demain pour un nouvel avis d'expert.